Bonjour et bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement pour cette pause hypnose, pour ces instants juste pour vous, pour votre vie, pour les choix que parfois vous devez faire. Voilà, installez-vous confortablement et vous pouvez baisser les paupières, vous pouvez fermer les yeux pour vous retirer dans votre intériorité, dans votre jardin intérieur, quelque part en vous, ce jardin où il y a toute votre histoire, toute votre vie, tout ce qui est important pour vous. Voilà, baissez les paupières et laissez la respiration se calmer, se détendre, simplement ce qu'il faut pendant ces quelques minutes. Voilà, et oui, durant ces quelques instants, vous pouvez relâcher votre visage, ouvrir un peu la bouche pour laisser l'air passer. Vous pouvez observer ces pensées qui passent comme des nuages, elles passent, un peu toujours la même chose. Et vous pouvez laisser vos épaules prendre une position confortable, comme pour déposer un peu ce sac à dos imaginaire que nous portons, un sac avec ses je dois, avec ses il faut, avec ses idées de toutes ces choses que l'on imagine, que l'on doit faire ou ne pas faire, ou essayer ou ne pas essayer, ou oser ou ne pas oser, toutes ces choses qu'il y a dans ce sac imaginaire, mais qui nous empêchent bien d'avancer. Voilà, et alors que vos paupières sont fermées, confortablement abaissées là où vous êtes, une partie de vous peut m'écouter ou m'entendre, et une autre partie de vous peut voyager, observer ce qu'il y a à voir là où vous êtes, et peut-être même ressentir dans votre corps certaines choses, certaines sensations. Voilà, tranquillement, confortablement, vous pouvez laisser faire. Il n'y a rien à faire. Et tous les sons qui peuvent passer aux alentours, quels qu'ils soient, sont juste là pour vous aider à être dans votre bulle. Vous pouvez tout écouter, peu importe. Le monde continue à tourner autour de vous et vous êtes dans votre bulle, dans votre instant. Parce que quelque part dans votre vie, vous savez que il y a un choix à faire, il y a une décision à faire. Que votre vie est comme une route. Et dans cette route, vous avez suivi un peu tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez imaginé qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, vous êtes là, il y a un rond-point. Dans ce rond-point, il y a peut-être deux directions. Et vous tournez peut-être sans savoir vraiment s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Et une partie de vous pense peut-être qu'il faut aller à droite et une autre pense peut-être qu'il faut aller à gauche. Une imagine qu'il est mieux de rester comme l'on est parce que l'on sait ce qu'on a, comme on dit. Et l'on ne sait pas ce que l'on va avoir. Et une autre se dit que c'est bien de ne pas savoir ce que l'on va avoir, c'est que la vie peut s'écrire, c'est une page blanche. Alors que ce que l'on sait, on sait déjà que l'on a ce que l'on sait et on n'a pas envie que demain soit la même chose que ce que l'on sait déjà. Que quelque part, ça serait comme relire un livre que l'on a déjà vu 100 fois. Revoir un film déjà regardé, entendu. Toujours les mêmes mots, les mêmes histoires qu'on répète. Et une autre partie de nous veut autre chose, veut du nouveau. Et peut-être même qu'elle a envie de prendre un stylo et écrire. Écrire quelque chose de nouveau. Laisser les mots venir. Ne rien prévoir pour pouvoir tout envisager. Ne rien penser pour laisser tout faire. Laisser tout arriver, toutes les possibles. Et une autre partie a besoin de prévoir. Comme si elle imaginait que on lui donnait un emploi du temps.
Un calendrier, comme ça on sait. Et quand on sait, on est mieux, parce qu'on sait où on va. Et en même temps, on est moins mieux, parce qu'on n'a pas envie de savoir où on va, on a envie de découvrir la vie. Oui, nous sommes comme la rivière qui coule, qui a envie de découvrir ses nouveaux chemins, de parfois monter, de parfois tourner, de parfois aller vers un ailleurs qui n'était pas prévu quelques instants plus tôt. Et aujourd'hui, vous êtes là, face à cette décision. Quelque chose à décider, soit aller à gauche, soit aller à droite. Écoutez toutes les parties de vous qui, quelque part, veulent votre bien. Elles sont là pour votre bien. Elles ont une intention positive, l'envie que vous soyez heureux, tranquille. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que, à l'intérieur de vous, il y a votre guide intérieur. Cette partie de vous sait ce qui est bon pour vous. Cette partie de vous sait que quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous pourrez toujours revenir, vous pourrez toujours décider de faire demi-tour ou de continuer. Aucun chemin n'est une voie sans issue, n'est un chemin sur lequel on ne peut revenir. Il y a toujours des passerelles pour passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, simplement, votre vie vous indique peut-être que vous devez avancer, vous devez choisir. Peut-être que c'est la première fois de vos deux vies que vous choisissez, alors que vous êtes là, les yeux fermés, à m'écouter. Alors imaginez dans votre esprit, imaginez que vous allez décider de prendre un chemin. Imaginez tout ce que ce chemin va vous apporter de bien. Imaginez votre vie sur le premier chemin. Puis imaginez votre vie sur le deuxième chemin. Qu'est-ce que cela va vous apporter? De bien, de moins bien? Imaginez-vous être comme au cinéma et d'avoir deux écrans et de voir les deux chemins. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans le premier? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans le second? Quel est celui qui vous donne le plus envie? Quel est celui qui vous fait frissonner? Il y a toujours en nous un peu une partie peur, une partie désir. Et là, quel est le chemin qui vous apporte le plus de désir, le plus de vie? Ressentez dans votre corps en observant ces deux chemins. Quel est celui qui vous apporte le plus de vie? Au-delà de toute chose, l'important c'est de se connecter à ce chemin qui vous apporte le plus de vie. Est-il possible pour vous? Est-il réalisable? Est-il faisable si vous mettez toute votre énergie dedans, toute votre envie? Si c'est lui qui l'emporte, alors vous pouvez choisir ce chemin. Vous pourrez toujours revenir à l'ancien chemin si à un moment vous voulez. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez juste à poser une première pierre, un premier pas, même tout petit. En fonction de votre situation, imaginez votre premier pas le plus petit possible que vous pouvez faire sur ce chemin qui vous donne le plus de pulsions de vie, le plus de vie. Oui. Allez vers le chemin qui vous donne le plus de oui, le plus d'envie. Et vos réponses viendront toutes seules. Elles viendront toutes seules parce que la nature nous apporte toujours les réponses dont nous avons besoin.
Alors tous mes mots vont vous accompagner tranquillement. Ressentez pendant quelques heures, quelques jours, ces deux chemins possibles. Ressentez celui qui vous donne le plus d'envie, le plus de oui, le plus de vie. Et imaginez la première chose que vous pourriez faire de simple, rien que pour voir ce que cela fait. Vous êtes libre, libre d'aller, libre de revenir, libre de changer d'avis. Vous êtes libre d'essayer. Et tous mes mots vont vous accompagner durant ces heures, ces jours où vous n'avez rien à faire, simplement laissez faire. Faites confiance à votre guide intérieur. Et maintenant, tout doucement, vous allez pouvoir revenir ici. Voilà, tout doucement, votre énergie va revenir. Vous allez pouvoir retourner à vos activités, quelles qu'elles soient. Voilà, vos yeux vont pouvoir s'ouvrir. Observez ce qu'il y a autour de vous. Votre cœur battre normalement et votre esprit retrouver sa fluidité. Et vous pouvez en même temps laisser votre guide vous apporter cette direction à prendre, que vous pourrez prendre en toute liberté. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause hypnose. Merci à vous. Au revoir.